Sur les berges du lac de la Palue, les visiteurs ont l'âme matinale et la parole rare. La nuit vit ses dernières heures et le mot Ventoux est déjà très présent dans les esprits. Car c'est de cela dont il s'agit. D'un massif, d'une montagne, d'un mythe. Une excroissance terrestre qui surgit des plaines du Vaucluse. 1900 mètres d'altitude, un aimant pour les cyclistes, un piège pour les naïfs. Et ben, la particularité, c'est le Ventoux. 25 km à plus de 8%. C'est 2h à 2h30 d'angoisse pour la plupart d'entre nous. Et c'est ce qui va faire la différence pour savoir si on va réussir à courir ou... Je ne sais pas si on peut tout donner avant d'arriver au Ventoux, donc je pense que ça joue beaucoup. Enfin, je pense que c'est pas un half comme les autres et qu'il faut vraiment gérer la distance et la course. Mais voilà, ça reste le Ventoux, le plus gros morceau, et puis derrière, une course à pied qui est loin d'être plate. Quoi. Du coup, j'aimerais bien accrocher le podium, mais Carrie Lester et Jeanne Collonge voilà, qui seront là et présentes. Après, on ne sait jamais, il pourra peut-être y en avoir d'autres qu'on ne connaît pas, mais c'est les deux favoris, je pense. Donc, ça va être une belle bataille à trois. Ouais. Les organisateurs du Ventouman ont eu l'idée géniale de tracer un triathlon qui enjambe le mont Ventoux. Au sommet, la vue est imprenable. 2 km de natation, 90 km à vélo, 20 km à pied. Le format est assez classique. Ce qui l'est moins, ce sont les 2300 mètres de dénivelé positif du parcours cycliste, rassemblés sur une distance d'à peine plus de 30 km. Alors forcément, ça cogite un peu, sous le bonnet. Le triathlon longue distance est une histoire de patience. Le Ventouman en est la parfaite illustration. Paires de bras agitent la surface de l'eau. Les canards se sont mis à l'écart et les supporters dévorent la scène des yeux. Toujours aussi impressionnante cette natation en randonnion. Alors le public fait de son mieux pour vous faire profiter de ces instants uniques pour lesquels vous vous êtes préparé depuis des mois. Ça hurle, ça siffle, ça martèle, et du coup, vous y retournez avec envie. Après tout, vous êtes là pour ça, non? C'est la 5e édition du Ventouman, qui cette année s'est donné les moyens de s'affirmer dans le calendrier national. Nouvelle date, septembre et non plus juin. Un nouveau site de départ, plus accessible et plus confortable. L'ambition est clairement affichée, devenir un rendez-vous majeur de la discipline à court terme. L'épreuve le mérite amplement. Minutes et 52 secondes. Charlotte Morel et Carrie Lister sont les deux premières à sortir de l'eau. L'Australienne, double vainqueur de l'Ambraman, est la tenante du titre ici. Championne de France, athlète confirmée, Charlotte Morel n'est pas en reste. Cette course constitue une reprise, certes, mais elle s'apprête aussi à découvrir les pentes du Mont Ventoux. Anthony Panier, Juan Rubireta réalisent les meilleurs chronos côté messieurs. 25-55 pour le Français, 25-58 pour l'Espagnol. Quatrième, à 45 secondes des premiers, William Manson, le récent vainqueur de l'Ambraman, est là aussi et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour la concurrence.
Le jeune triathlète a impressionné mi-août du côté des Hautes-Alpes. A-t-il récupéré depuis ? Est-ce que vous êtes prêts ? Oui ! Ah voilà ! Et est-ce que les parents sont prêts ? Allez, on respire, ou presque. Ce sont les parents qui vont avoir le plus de difficultés à vivre les courses de leurs enfants. Ils ont entre 6 et 13 ans et leurs attitudes ne trompent pas sur la nature de leurs ambitions. Allez, on respire vraiment cette fois-ci. Sur la route des vins, Charlotte Morel attaque sa saison de course. Son récent mariage avec Frédéric Belaubre cet été a un peu modifié son calendrier. La prépa est peut-être encore juste, mais les acquis lui disent de prendre sa chance. Alors elle se laisse charmer par les décors et reste au contact de Carrie Lester, qui progresse en véritable métronome. Au pied des premiers contreforts du Ventoux, les deux femmes sont encore aux premières places du classement provisoire. Jeanne Collonge est à 1 minute 30 derrière. La Roque, Alric, Le Barou, la Madeleine, Bédouin, les bosses s'enchaînent et la chaleur fait son apparition. William Menson, Dossard numéro 4 est aux commandes de la course. Commande partagée avec Juan Rubirata, 10e du triathlon longue distance de l'Alpe d'Huez fin juillet. Triathlon longue distance de l'Alpe d'Huez sur laquelle Menson avait abandonné, pas en jambes. Et c'est cette conclusion qui l'avait poussé, ou plutôt qui avait poussé sa fiancée à l'inscrire au départ de l'Embraman. On connaît la suite. Sortie de l'eau en 10e position à 3 minutes des premiers, Thomas Navarro pointe à la 3e place après 60 km de course. Il est à 2 minutes en retrait. Au milieu des cyclistes du week-end, Juan Rubirata et William Menson ajoutent au spectacle ambiant. Depuis le pied du Mont Ventoux, les deux hommes se livrent une bataille acharnée. Peu à peu, le pompier barcelonais lâche prise et laisse partir l'analyste d'affaires monégasque. Côté féminin, Jeanne Collonge réalise une ascension monumentale. Elle aussi, double vainqueur de l'Embraman, elle se régale dès que la pente s'élève. Charlotte Morel puis Carrie Lester ne peuvent soutenir le rythme imprimé par celle qui a fait le choix il y a peu de retourner s'entraîner aux côtés d'Yves Cordier. Un autre mythe. Il y a tellement de mythes qu'il fallait y aller alors. Oui, super, c'est une belle montée, c'est régulier, ça se mérite quoi. Super course. Station du Mont-Serein, face nord du Ventoux, 3 km sous le sommet. La fraîcheur de la forêt de sapins est la bienvenue et les jambes sont un peu raides. La dernière épreuve du jour serpente au milieu de la végétation, c'est une autre particularité du Ventoumag. William Menson a atteint la seconde transition avec 3 minutes d'avance sur Juan Rubirata, 8 minutes sur Thomas Navarro et 11 minutes sur Scott De Philippis, le vainqueur de l'an passé. Jeanne Collonge, première dame au sommet du Ventoux, possède une minute d'avance sur Carrie Lester. Au moment d'entamer les 20 km de course à pied, l'écart est de 9 minutes avec Charlotte Morel.
Sur les pistes et sentiers du Ventoumane, les appuis sont un sujet de préoccupation permanent. Les yeux sont rivés sur les cailloux saillants et les racines. Les coureurs en manque d'attention prennent des risques. Le caractère sauvage de cette ultime section de course ne doit pas être pris à la légère, le choix des chaussures est d'autant plus important. Une boucle de 5 km à effectuer 4 fois, 400 mètres de dénivelé positif au total, rien d'insurmontable. Et pourtant, la moindre élévation prend tout de suite des proportions excessives. La fatigue accumulée, l'altitude, la chaleur rendent la fin de parcours difficile, alors le moindre encouragement est le bienvenu. Tête de la course, les duels entre pros ont rendu leur verdict. William Menson a conservé son avance sur Juan Rubireta et franchi la ligne d'arrivée en vainqueur avec un temps de 5h 2 minutes et 54 secondes, 37 secondes seulement devant son rival espagnol. Thomas Navarro arrive 5 minutes 30 plus tard et il complète le podium. Tenante du titre, Carrie Lester réalise le doublé. Elle a repris Jeanne Collonge dans la deuxième boucle pédestre et termine en 5h37-21. L'Australienne s'impose avec une avance de 30 secondes sur Jeanne Collonge de retour à son meilleur niveau et 8 minutes 47 sur Charlotte Morel. Ouais. 596 coureurs ont franchi la ligne d'arrivée de ce Ventoumane.